Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Théala pour parler de cuisine de notre pays, La Réunion. Aujourd'hui, nous allons faire des pâtes complètes et les pâtes macaroni, nous appelons ça ici spaghetti. Bon, il faut prendre celles-là complets, les meilleures pour la santé. Il ne faut pas prendre les blancs là, c'est tellement bon marché que. Et tombe au malade, donne un bout de l'estomac, tout ça là. Donc là, nous allons prendre des oignons que nous allons hacher. On va prendre des tomates que nous allons hacher aussi finement. Là, ma coupe aller en tranches comme ça. Et après, ma réduire en petits carrés facilement là pour que la cuisson il devienne bien comme qu'il faut et les affaires y fondent. Pour ça, va falloir nous aussi du blanc de poulet rôti ou sinon ça, c'est un morceau sur la cuisse, le reste d'un poulet rôti. Zot y hache à lui bien comme zot y voit, zot y mettent dedans. Comme épices, va falloir nous aussi de la coriandre, va falloir nous des oignons, du sel, du piment. De l'ail, du persil pour la décoration, si ça t'y veut, il va falloir nous aussi de la coriandre et qui donne un bon goût. Ça, il faut mettre en dedans. On va commencer par mettre tout ça dans une grande marmite. On va mettre de l'huile dedans. On va laisser bien chauffer comme qu'il faut. Et on va ajouter les oignons en dedans. Les oignons, je l'ai vu comment on m'a fait. Hein. On m'a coupé à lui un peu concasse à lui, un peu finement. Et nous fait revenir dans de l'huile. Alors, s'il y a deux petits bouts de tomates, la tomate dedans, inquiète pas, mettez lui dedans, les bons aussi pour la santé, il va rougir un peu plus. Enfin, on aurait pu mettre des tomates là, comme ça là, mais le problème, c'est que le tomate n'aurait arrêté les oignons dans sa course contre le rougissement. Hein. Bon, donc, ne va pas mettre dedans. Alors si je veux, hein, la pointe de problème. Hein. Donc nous fait bien revenir les oignons dans de l'huile. Là-dedans, il faut mettre un petit peu d'huile quand même. Hein. Nous nous dit un cuit à l'huile par jour, par personne. Mais des fois, on a des affaires qu'on nous fait. Il faut ajouter un petit peu d'huile, sinon ça, les fades. Après, c'est à qui il veut mettre, il veut pas trop mettre l'huile. Moi, mini fan, a fait m'y mettre un petit peu quand même dedans, mais il n'y mange pas l'huile tout le temps, hein, il mange occasionnellement. Donc, l'ail, le piment et le sel, là, étaient écrasés. Comme nous l'avons vu, nous aurions pu mettre un petit branche de thym aussi dedans, mais non, il n'est pas bon. Pour faire effet simple, naturel, avec les épices que Nina dans le placard. On fait bien revenir à tout ça. Jusqu'à temps que lui prend de la couleur et après nous va aviser, nous va ajouter les tomates en dedans. Hein. Il faut pas trop laisser les oignons, l'ail trop cuit parce que il risque de brûler et l'ail surtout il devient un petit goût amer quand même tout le temps. Hein. Ben là, on va mettre un peu de coriandre sous la même avec point. De la coriandre frais, mais ça c'est une affaire qui tient pas la route, hein, la coriandre, hein, je peux mettre dans le frigidaire comme on a un peu dit, dans l'eau de javel, dans le chlore, comme ça, si elle arrive à un certain moment, là plus de goût du tout, allez. Donc il faut faire de temps en temps, on congèle un petit peu au cas où, si on en a besoin, sous la main, là, et à ce moment-là, m'utilise, allez. M'y ajoute les tomates, vous avez vu que les tomates, moi la concasse, elle est bien comme qu'il faut, hein, on va la couper. Et là, il faut prendre le temps quand même pour faire ce sauce tomate-là, de façon à ce que les tomates, ils cuisent bien, les oignons, tout ça, ils rentrent bien, le jus, ils rentrent bien dedans. Dans un premier temps, nous va faire revenir à lui comme ça, sans eau du tout, hein, donc le temps que toute la saveur des oignons, du cotomélie, tout ça, y infuse dans les tomates, hein, nous couvre un petit peu, nous laisse transpirer un peu comme d'habitude. Et comme tu vois là, il a commencé à cuire un petit peu et il va ajouter un petit peu d'eau dedans au fur et à mesure. Il faut mettre le compte de l'eau pour pouvoir avoir une sauce assez homogène. C'est un petit peu plus long à faire, hein, un petit peu plus compliqué parce qu'il faut préparer toute la bonne sauce avant de mettre le bonne pâte, le bonne spaghetti à bouillir. Alors les spaghettis, si on revient un petit peu, on a un temps de cuisson. Alors faut bien faire attention avec les temps de cuisson. Regarde bien sur les paquets, surtout pour les pâtes complètes là. Garde bien le temps de cuisson que l'on a dessus. Quand il y a 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes ou 9 minutes, allez pas trop hein, en plus parce que à ce moment-là, il devient pâteux et il colle sous la dent. Moi, on l'a fait al dente comme on a dit. Hein.
C'est juste que qui colle pas sous la dent quand on met dans la bouche ou mange à lui, ça va bien comme tout faut. Après, il faut prendre des pâtes complètes, il faut prendre à lui de bonne qualité. Hein. Ils vendent aussi bon marché, et comme il dit, bon marché coûte cher, on ne peut pas quel genre de farine de la mettre là-dedans. Et ça, il risque de gâcher ce plat et surtout faire augmenter le taux d'index glycémique. Hein. Au bain de monde, les diabétiques, il faut surtout éviter de prendre une pâte blanche, surtout le pain blanc, tout ça. L'est pas bon du tout pour la santé. Voilà, comme vous l'avez vu là, m'a fait revenir un petit doucement, hein, et m'y ajoute au fur et à mesure un peu de l'eau dedans, mais il faut ajouter de l'eau chaude. Mais un peu, il pourrait peut-être aussi, si vous avez envie, si on a le temps surtout, ajouter un peu de bouillon de volaille dedans, hein, en cube, là, un petit peu ajouter. Sinon ça, c'est un petit peu fait aussi, votre bouillon, il est un peu plus compliqué, hein, parce que ça, il fait avec la carcasse, avec un tacon d'épices qu'ils mettent dedans. Donc là, nous va pas aller ailleurs. Nous va faire revenir petit doucement comme Zotti voit là sur l'écran. Zotti mélange bien et Zotti ajoute de l'eau jusqu'à temps à être assez liquide quand même. Et Zotti laisse sécher comme qu'il faut là. Il faut que la pâte n'est pas trop liquide non plus. Il faut pas la sauce est trop liquide. Comme il est là sur l'écran, il est bon. Zotti met les pâtes complètes dedans. Zotti y mélange à lui. Et Zotti ajoute aussi les petits bouts de rôti dedans. Hein, avant que la sauce t'ait réduite, m'a ajouté les petits morceaux de rôti à l'intérieur. Voilà, le plat, c'est des pâtes complètes, donc les super bons à manger. Mais Zotti, tiens beau, largue pas si Zotti n'est pas d'un morceau de rôti hein, au lieu de jeter. Et faut pas tous les jours manger les pâtes, hein. Les pâtes faut manger de temps en temps. Nous ici à la Réunion, le préfet nous trie, mais il fait partie de la culture réunionnaise. Et maintenant, avec dans les grandes surfaces, tout ça là, ben là il propose beaucoup de pâtes, tout ça là, des macaronis, cette sorte dehors. Faut prendre de la bonne qualité. Voilà, l'émission l'a fini. M'y remercie à Zot d'avoir suivi ça. M'y donne à Zot rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette. Hein. Zot, il peut abonner à Zot à la chaîne. Et puis, nous passe aussi sur Télécréole. Un petit peu de pub pour Zot. Hein, tous les jours du lundi au vendredi, nous les abattus pour diffuser ces émissions. Merci à Zot. On y retrouve à la prochaine.